Florian Richoux. Bonjour, très bien, je pensais que oui, je ne pouvais pas vous entendre. C'est calage de son, je pense. D'accord. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes, au LINA, plus précisément le laboratoire informatique de Nantes Atlantique. Quand on entend intelligence artificielle, on pense soit au film de Steven Spielberg, soit on pense que c'est compliqué, ou même les deux. Alors, de façon simple et ludique, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, je dirais, c'est mécaniser le raisonnement. Donc un être humain, lorsqu'il effectue des tâches, va raisonner pour tout et n'importe quoi, pour des tâches simples ou complexes, lire un texte ou discuter avec quelqu'un, donc comprendre ce que la personne dit, conduire une voiture ou jouer aux échecs ou résoudre un problème de maths. Pour ça, pour un être humain, c'est naturel. Pour une machine, ça ne l'est pas du tout. Une machine, c'est quelque chose qui va prendre une entrée, faire des instructions simples et rendre une sorte. Une machine ne raisonne pas par définition. Donc, le but de l'intelligence artificielle, de ce domaine de recherche, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut mécaniser ce raisonnement, donc rendre accessible du raisonnement à une machine ou simuler un raisonnement par une machine. D'accord. Alors, vous avez collaboré pendant 3 mois au labo FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research, concernant l'une de vos spécialités, les jeux. Sans dévoiler vos travaux, hein, puisqu'on sait que c'est très confidentiel, comment est-ce que vous êtes retrouvé à collaborer avec le géant américain? Alors, c'est une histoire assez amusante. C'est parti d'un tweet, en fait, donc sur Twitter, là, un réseau social qui n'a rien à voir avec ça. J'étais en train de lire un article sur des méthodes particulières d'intelligence artificielle dont je ne suis pas spécialiste. Il y avait des choses que je ne comprenais pas dans cet article et je sais que j'ai certains followers qui sont spécialistes de ce domaine-là. Donc j'ai envoyé juste un message sur Twitter en disant « Bon voilà, je suis en train de lire cet article, il y a des choses que je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez me donner juste un peu quelques pointeurs, quelques backgrounds pour que je puisse mieux comprendre un petit peu ce domaine ?» Et j'ai un ami à moi qui travaille donc dans le laboratoire de recherche en IA de Facebook. Et qui m'a répondu un peu sur le ton de la boutade, « Oh, bah, tu devrais passer faire un stage chez nous pendant trois mois. » Ah ouais, carrément. Ça va te former. Et moi, j'ai pris ça à moitié sérieusement. Je lui ai fait, bah, « Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Donc, si je peux faire une visite 3 mois cet été chez vous pour apprendre ces techniques d'intelligence artificielle, ça m'intéresse beaucoup. » Et en fait, ça s'est monté comme ça, finalement. D'accord, super. C'est une drôle d'histoire, effectivement. Alors, on retrouve l'intelligence artificielle dans quasiment tous les jeux, notamment de stratégie. Ils sont des millions à jouer à Minecraft, Starcraft ou Call of Duty. Alors, c'est quoi une bonne AI dans les jeux? Alors, ça, c'est une très bonne question. Il y a deux réponses. Il y a la bonne IA pour les chercheurs, donc à l'université, et puis il y a la bonne IA pour les sociétés qui font les jeux. Alors, je vais commencer par les sociétés qui font les jeux. Une bonne IA pour eux, c'est quelque chose d'abord qui soit amusant. Le joueur doit avoir plaisir à jouer contre cette IA. Donc, elle ne doit pas être trop forte, elle ne doit pas écraser le joueur. Et puis, elle doit être aussi facilement calibrable, parce qu'un jeu, c'est quelque chose de très complexe à écrire, hein, c'est un très très gros programme. Donc, il faut, pour pouvoir déléguer, lorsqu'on construit le jeu, il faut pouvoir facilement avoir la main sur l'IA pour pouvoir voir s'il y a des erreurs, comment les corriger, etc. Alors que dans le domaine académique, je dirais, le but est, entre guillemets, plus simple, mais plus difficile à franchir, c'est on souhaite vraiment faire des IA un joueur mécanique. Donc, qui joue dans les mêmes conditions que tous les autres joueurs et qui soit le plus fort possible afin de battre d'autres personnes. Alors, on parle de IA, de AI, hein, sachant… On peut le faire à l'envers. Vous participez depuis 2011 à des compétitions qui sont organisées annuellement par une conférence académique sur l'IA ou l'AI, hein, dans les jeux, avec votre propre intelligence artificielle. D'ailleurs, ça a quel but cette compétition? Pardon? Ça a quel but cette compétition, les commissions auxquelles vous participez? Le but de ces compétitions, alors ce sont des compétitions sur StarCraft, un jeu bien précis, StarCraft premier du nom, et le but est de faire une intelligence artificielle, bah, simplement qui soit la meilleure possible, donc qui joue le mieux au mieux à ce jeu. Donc ce sont des compétitions qui sont inter-IA, c'est-à-dire des IA vont jouer contre d'autres IA, c'est un tournoi d'IA, et voilà, et donc il y a un classement à la fin en fonction de... Simplement le pourcentage de victoire des IA, celles qui gagnent le plus souvent, les premières, ainsi de suite. Voilà. Mais le but, c'est vraiment de faire une IA qui joue au mieux possible à ce jeu et sans tricher.
C'est-à-dire, elle joue dans les mêmes conditions qu'un être humain. D'accord. Lorsqu'il y a du brouillard de guerre qu'on ne peut pas voir à travers, on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a derrière, ben, l'IA est dans les mêmes conditions, elle ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a derrière. D'accord. De manière plus générale, à quoi vont servir vos travaux et vos recherches dans la vie de tous les jours? Alors, en fait, de l'IA, il y en a déjà un petit peu partout, finalement, sans qu'on s'en rende compte. Vous prenez votre téléphone portable, votre smartphone, vous lui dictez un texte pour écrire un SMS, vous voyez que ça reconnaît très rapidement ce que vous dites, et en général, ça marche très bien maintenant, ça ne fait pas beaucoup de fautes. Bah, il y a de l'IA derrière, il y a de l'intelligence artificielle pour comprendre votre parole et le transcrire en texte. Dans le GPS, pour chercher un plus court chemin, en évitant les bouchons, ce genre de choses, il y a des petites techniques d'IA aussi. Donc finalement, de l'IA, il y en a déjà. Il va y en avoir de plus en plus. Ça va changer un petit peu la façon dont on a de communiquer avec les autres personnes, mais aussi la façon dont on a à interagir avec les objets qui sont autour de nous. D'accord. En tout cas, merci Florian Richoux d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes, spécialiste de l'intelligence artificielle dans le jeu. Et bien sûr, on a mis tous vos travaux sur notre site internet francelive.fr. Merci Florian. Merci à vous.